Et salut à tous les gars, c'est Kinito, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière New Haven et ne, le début du coup de notre 19 e saison déjà. <laughs> 19 e saison, vous vous rendez compte ou quoi 19 e saison. C'est incroyable, incroyable. Donc euh, là, euh, voilà, 19 saisons, on a gagné la, la, la conférence League, tout ça. Donc comme prévu, on était bien tête de série, comme je vous avais dit. Euh, dans notre groupe de Ligue Europa. Donc, on va regarder un petit peu le début de saison après ensemble. Avant, on va faire un petit tour sur, sur les transferts. Euh, donc, sur les transferts, bon, on a prêté beaucoup de monde. Ça, c'est des jeunes de mon centre de formation pour la plupart. va hein. tous, en fait. Ah non, à part lui, c'est un gars que j'avais acheté. Et lui aussi, là. Et bon, lui, je me suis fait baiser un peu. J'avais acheté cher et au final, euh, il n'a pas de potentiel. Euh, et lui, lui par contre, euh, à voir plus tard, mais euh, il n'a pas trop de potentiel non plus. C'est dommage, putain. Ouais, c'est vraiment dommage, c'est pas mauvais, mais bon, il n'a pas de potentiel visiblement. Euh, donc, euh, je sais pas s'il va augmenter, on, on verra bien. Mais euh, bah lui, je l'avais acheté déjà l'année dernière, je crois, il y a deux ans. Je sais plus un truc comme ça. Alors, attention, nous avons prêté donc Pete Bachir, c'est un jeune qui était sorti en même temps que McDonald's, dans notre centre de formation, mais qui était sorti. Euh, mercenaire, là il est passé équilibré, donc il a perdu énormément du coup, en ambition, euh, avec les prêts successifs. Euh, donc ça fait un peu le chier quand même, euh, parce que bon, c'est bien qu'il perde en ambition, euh, parce que moi j'estime que 15, là c'est beaucoup déjà, euh, 12, 13 c'est bien, donc ça c'est cool, mais par contre j'ai toujours pas d'indication sur le professionnalisme, donc là, à part qu'il a pas plus de 14 en professionnalisme, je ne sais rien sur lui. Euh, et je crois qu'il a toujours euh, Spontané, Versatile, Conflictuel, voilà, donc c'est toujours de la merde à ce niveau-là, donc il a un tempérament de merde, euh, un fair-play de merde, hein. donc il cool. Donc je l'ai envoyé en prêt, il a l'air d'avoir un énorme potentiel lui aussi, mais malheureusement sa personnalité ne me permet pas de savoir s'il va augmenter ou pas, on verra bien. Euh, Brian Bibalo que j'ai envoyé en prêt, euh, donc lui c'est un ailier euh, mais qui déjà... Euh, une étoile de potentiel donc j'estime que il avait besoin de temps de jeu euh, et puis que je vois euh... donc l'année dernière je crois que je prêté et là je l'ai reprêté encore cette année vraiment un joueur correct mais euh, mais voilà je peux pas c'est pas un joueur sur lequel je peux m'appuyer pour le moment euh, mais vraiment il a, il a quand même des qualités il est agile et rapide euh, il a il a un peu de il a un peu de passe il a la technique euh, il a du dribble il vient de passer à 13 en contrôle ce qu'il a été longtemps à 11 12 là il vient de passer à 13 donc Bon, on verra bien comment il progresse. Euh, Denis Crollo euh, donc lui, c'était un. Je l'avais formé latéral euh, l'année dernière. Et euh, bah là, en fait, cette année, des latéraux, j'en ai trouvé un qui est complètement insane. Euh, qui... qui est arrivé, voilà, c'est Facundo Schmidt, là, que vous voyez sur la gauche pour 10 millions et demi. Donc euh, bah lui je pouvais pas me permettre de le garder pour. Euh... Alors j'aurais pu, pu le garder pour le faire jouer en 6, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas gardé. Euh, je l'ai envoyé en prêt, j'ai préféré, parce qu'il est assez déterminé et que moi j'ai un enthousiaste à sa place, alors qui est moins bon, certes, mais qui lui est marqué 5 étoiles. Euh, et, euh, et enthousiaste, évasif. Donc, euh, je préfère m'appuyer sur lui pour que lui monte dans la hiérarchie du vestiaire. Et il a plus besoin de temps de jeu que lui, parce que lui a déjà un jeu, un, un niveau de jeu correct. Alors que l'autre euh, a besoin de beaucoup de temps de jeu pour progresser. Donc, euh, je le fais jouer l'autre. Donc, c'est Maxime Bru qui joue. Et Lui, bah, je préfère euh, à la limite. Voilà, je, je préfère le prêter et puis qu'il continue sa progression. Et je le vendrai extrêmement cher, je pense. Je l'ai acheté pour euh, pas si cher que ça, je crois. Lui, c'est lui, c'est 8 millions. Lui, ouais, lui, j'avais acheté pour 8 millions euh, au nez à la barbe de City et compagnie, je crois. Donc euh, voilà, là, je l'ai envoyé en prêt et puis euh, on verra bien. Euh, lui, c'est un jeune de mon centre de formation, mais pff, voilà, il est pas bon. Euh, c'est il me tire ses couilles. De toute façon, je préférais le dégager. Euh, et puis j'ai vendu... Alors j'ai quand même vendu quelques gars hein, de mon centre de formation. Lui, j'ai vendu 13 millions et il sort de mon centre. Hein. Curtis Millard, quand même. Il sort de mon centre de formation et je l'ai vendu pour euh, 13 millions quand même. Donc c'est pas si mal. Hein, c'est pas si mal. Euh, Yann Barnett, donc lui gros flop hein, C'était un mec qui, qui avait une personnalité qui était euh, assez pro, je crois. Assez pro. À la base, et euh, qui dès qu'il est arrivé chez moi à 17 ans, il a eu euh, sans me faire preuve de suffisance, et je n'ai jamais réussi à remonter son professionnalisme par l'encadrement. Donc là, ce coup-ci, j'ai décidé de m'en séparer, tant pis. Euh, je l'avais acheté pour 55 millions, je ne le revends que 32 malheureusement, je l'ai payé en plusieurs fois, je le revends cash. Bon, bah, tant pis, je perds un peu d'argent sur lui, mais je me suis fait tellement d'argent que je m'en fous. Là, tout ce que je voulais, c'était vraiment. Euh, libérer de la place pour mon vestiaire pour que mon vestiaire s'impose et euh, que les personnes que je veux s'imposent au sein de mon vestiaire euh, donc pour ce qui est en revanche des arrières, ah oui il y a Mendoza aussi je sais pas si vous vous en souvenez mais c'est un mec que j'ai vendu aussi euh, Gonzalo Mendoza c'était un défenseur central pas mauvais mais il manque de tacle et les je trouve que un bon moyen de spotter si un défenseur central a beaucoup de potentiel ou pas c'est le niveau de tacle qu'il a euh, à un jeune âge pense qu'un mec qui est aux alentours de 15 et qu'on vous dit cinq étoiles, alors qui a déjà des notes à peu près correctes, hein, voilà, pas non plus insane, mais à peu près correctes, bien réparti, etc. Et qu'il a déjà 15 en tacle, ou 14, 15 en tacle, enfin, on va dire 14 à 17, 15 à 18, 16 à 19, etc. etc. Le tac, vous pouvez pas le bosser. Euh, ça se bosse automatiquement, euh, voilà. Donc ça, si ça c'est déjà très haut. Euh, moi je pense que si c'est déjà très haut et qu'on vous dit 5 étoiles il y a moyen que ce soit vraiment un joueur qui ait beaucoup de potentiel parce qu'il a déjà une grosse note là-dedans et je, me, je pense que pour un défenseur central ça prend déjà énormément de place dans le, dans le PACA, je suis pas sûr il euh, faudrait que je vérifie mais il me semble que ça prend beaucoup de place donc ça pourrait être une indication aussi supplémentaire sur comment recruter vos défenseurs centraux et comment spotter s'ils ont du potentiel ou pas regardez la note de tacle regardez si euh, votre recruteur, il vous dit 5 étoiles ou pas. Et euh, s'il est régulier, si tout ça, enfin voilà. Et, euh, et en fonction de la note de tacle, bah, vous pouvez vous dire, ouais, lui, il ira loin ou il ira pas loin. Après, un mec peut très bien avoir 13 en tacle et avoir un potentiel de ouf. Mais voilà, moi, le tacle, j'aime bien que le tacle marquage, ce soit 15-15 minimum, quoi. Dire, au, au top de leur forme, quoi. Je veux dire, au top de leur niveau. Ça, c'est le minimum. S'ils peuvent avoir 17-17, ben, c'est top du top, quoi. Et vous allez voir qu'on a recruté 2-3 matchs. Attention les vélos. Alors, déjà j'ai recruté lui pour jouer sur le Teco. Voilà. C'est un petit colombien. Euh, voilà. Il est arrivé dernier jour du mercato. Lui, euh, je voulais pas le je voulais, Je ne cherchais pas à recruter. J'ai vu qu'il était dans les rumeurs. J'ai regardé un peu le niveau qu'il avait. Je me suis dit mais attendez, mais il est insane, lui. Euh, Donc lui, il va jouer dans la deuxième équipe pour l'instant. Parce que j'ai besoin que mes autres joueurs jouent. Mais il est très bon. Euh, le problème, c'est que j'avais pas toutes ces notes. J'avais une partie de ces notes euh, qui était visible et une partie qui était pas visible. Et quand j'ai vu ces notes, je me suis dit non, mais lui, euh, il va être bon. Alors en revanche, je n'avais pas euh, le rapport ici complet. Et comme c'était le dernier jour du de mercato, je n'avais pas le temps de, de le scout vraiment. Donc je me suis dit, bah tant pis, euh, je vais l'acheter et puis on verra bien. Donc c'est 40 et quelques millions donc euh, voilà pour certains ça peut paraître énorme mais au jour où j'en suis aujourd'hui bah franchement euh, je trouve pas que c'est énorme pour moi hein, voilà, il, mec, euh, voilà il est fort quand même le 18 contrôle le 15 dribble 16 passes 14 techniques, 14 contrôle euh, 14 centres, 13 en tir de loin c'est un droitier je le fais jouer euh, Elie intérieur d'attaque il a un gros sang-froid pour son poste, une bonne vision de jeu, une bonne inspiration, une grosse décision, un bon appel de balle. Il est très vite, très agile. Ça, pour moi, c'est parfait. Voilà, il est un peu petit, donc pour les centres, de deuxième poteau, c'est un peu la merde. Mais euh, voilà, je trouvais que c'était une bonne opportunité, donc je l'ai pris. Et puis en plus, bah, c'est surtout sa personnalité, hein, le fait qu'il soit enthousiaste et je crois évasif en plus. Euh, si je revérifie, il me semble qu'il est enthousiaste et vasif. Il est enthousiaste et vasif, ouais, donc pour moi c'est très très bien. Euh, donc il va me permettre d'encadrer aussi euh, les petits jeunes de mon vestiaire. Hein, voilà, donc c'est cool. Euh, J'ai eu également deux petits cracks. Alors lui, je vous le garde pour la fin parce que lui, lui je pense que c'est un vrai vrai gros crack. Euh, Ken James. Alors déjà Ken James, pareil. Hein, J'ai de grosses 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 attentes sur, euh, sur Ken James. Euh, C'est un, un numéro 6 euh, qui vient d'avoir 17 ans. Et regardez-moi ce joueur, il est archi fort quoi. Il est enjoué, il est imperturbable. Euh, 5 étoiles, voilà. je l'ai payé cher, hein. je l'ai payé 21 millions, mais il était à Reading et c'était sa clause libératoire. Et j'ai tout fait pour l'avoir. Voilà. J'ai tout fait pour l'avoir, je crois que je, je vais même donner des promesses que je n'aurais pas dû lui donner. Mais d'un autre côté, je voulais absolument l'avoir parce que voilà, le mec a l'air insane quoi. Pour son âge 17 piges, quoi, il, est, il, est, il est fou quoi. Il a déjà 16 en technique, il a déjà 13 en passe, il a déjà 14 en contrôle. C'est pas un dribbler, mais ça on s'en fout, enfin, on a fait un meilleur de jeu en retrait. Il a un gros physique, il a un équilibre qui est déjà 17. Voilà, c'est le gars, euh, voilà, quoi. On va en faire un milieu de terrain de ce mec et puis ça va être un fou furieux. Ça va être un fou furieux. furieux. Euh, J'ai eu également un autre. Un autre petit gars que je vous montrais avant, euh, avant Facundo Schmidt, C'est un défenseur central. Donc lui, lui euh, donc il compte dans les transferts l'année dernière, mais au final, je l'ai eu au mois de juin. Et regardez-moi ce joueur. Regardez-moi ce joueur. Voilà. C'était lui, hein, que je vous disais. Vous savez, euh, pour la dernière vidéo, je vous avais dit que oh, j'ai deux, trois cibles en tête. J'avais lui en tête parce que lui, il est gaucher. Il fait 1m91 pour 84 kg. Il a un physique insane pour sa taille. Euh, il a une grosse détente, il a déjà un bon jeu de tête à son âge, il a gros de courage, il a de l'agressivité, il a de l'anticipation, il a de la concentration. Il a 16 en tacle, donc c'est pour ça que je vous disais un petit peu avant aussi euh, ouais, quand ils ont un gros tacle, euh, ça peut être bien. Ben bah voilà, Alors, vous en avez l'exemple parfait, moi je pense que lui, ça va être, il va être insane. Euh, je lui fais bosser son placement défensif parce qu'il avait 12 et 12 quand il est arrivé chez moi, et vous pouvez voir ses progrès, donc il joue, hein, il joue beaucoup et vous pouvez voir ses progrès qui sont vraiment euh, pas mauvais du tout quoi euh, pour, euh, pour un, un début quoi c'est vraiment c'est vraiment pas mal et apparemment il aurait 5 étoiles donc son seul défaut c'est qu'il est sénégalais du coup au mois de janvier quand il y aura la canne ça va me casser les couilles mais bon c'est enfin, tout mais... Au bout d'un moment, euh, il faut ce qu'il faut. Voilà. Donc euh, voilà, regardez les progrès qu'il fait déjà. Il a déjà pris plus en placement, Il a déjà pris quasiment plus en anticipation. Ça fait trois mois qu'il est chez moi. Il est arrivé en juillet. Il arrivait en juin, mais l'entraînement reprend en juillet. Donc euh, ça fait quatre mois, quoi. Quatre voilà. mois qu'il est là. Il a déjà voilà. Il a déjà bien step up, quoi. Donc c'est plutôt cool. Et puis, bah, j'espère qu'en fin de saison, il serait à 14 marquages et 14 placements. Euh, ce serait cool qu'il ait 14 dans les deux là. Et ensuite, je lui ferais peut-être bosser. Euh... Alors, soit je continue jusqu'à 15-15 minimum. Soit je lui fais bosser euh, le sang-froid, la décision. Je pense que ça peut être une bonne chose. Ou alors, euh, qu'est-ce que je voulais aussi Le jeu de tête. Euh, C'est un des deux. Puisque, au vu de sa taille et de son physique, il y a peut-être moyen qu'il mette but sur but sur corner lui. Euh, si jamais j'arrive à en faire une machine de la tête, quoi. Donc, à voir. Et le dernier petit gars. Euh, monstrueux. Attendez voir, parce que je vais quand même regarder, mais... Alors, euh, je vais peut-être avoir des changements tactiques encore après. Hein. Alors, il va peut-être encore avoir des changements. Voilà. En ce moment, je tâtonne. Je, je teste des trucs. Voilà. Euh, qui est-ce que j'ai... Non, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est toi. Ah, j'ai eu Nick McDonald aussi, c'est un petit latéral gauche. Donc, euh, à voir lui ce qu'il va donner. Euh, 5 étoiles. Donc, euh, why not hein, On verra bien. Hein, c'est un motivé. Euh, genre, je ne sais plus quoi. Mais euh, je, on va essayer de. Voilà, je l'encadre, Donc, c'est normal hein, que cette déterre descende. Pas d'inquiétude. Moi, ça ne me dérange pas. Le mieux, c'est que ça reste au-dessus de 15. Ça ne me dérange pas qu'il descende de 19 à 18. Et encore moins de 18 à 17. Parce que quand il descendra à 17, j'en apprendrai plus sur sa personnalité au final. Parce qu'il passera soit déterminé, soit c'est déterminé normalement. Donc. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Et le dernier. Attention. Attention, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes point prêt. Regardez un petit peu le monsieur. Bonjour, monsieur. Donc, un petit Argentin que j'ai trouvé à 17 ans. Il est arrivé à 18 ans pile poil le 20 août. Et il est titulaire indiscutable. Voilà. Il m'a déjà fait trois passes décisives en 8 matchs de première ligue. C'est le meilleur latéral que j'ai jamais eu dans tout FM confondu à son âge. C'est clair et net, à 18 ans, j'ai jamais vu meilleur que ça. Euh, donc je vais mettre l'accent à fond sur lui, je vais faire en sorte qu'il se développe de ouf. Euh, parce que s'il a un énorme potentiel en plus du niveau euh, qu'il est là, je pense que là il est je pense honnêtement à son âge là, je pense qu'il est déjà à 140. Peut-être pas à 140, à 100 ouais, si quand même. 130 je pense, entre 130 et 140. Donc s'il a que 160 de potentiel, il va pas augmenter beaucoup, je pense que dans deux ans il est au max. Mais s'il a plus de 180 les gars, ce mec là va être complètement insane, voilà. Il va être complètement insane et quand je regarde là me dit pourrait beaucoup progresser et que ça me dit qu'il a déjà le niveau pour jouer en première division ça ça veut dire euh, beaucoup de choses par contre il doit faire preuve de plus de régularité donc ça c'est un peu chiant mais il est tellement fort en fait hein, c'est clair il est tellement fort que là je m'en fous hein, le fait qu'il qu qu soit pas trop régulier je m'en fous parce que je pense que ça va être le meilleur latéral du jeu je pense alors peut-être que je me trompe hein, s'il a pas de potentiel je suis baisé mais je pense que ça va être le meilleur il est motivé, équilibré, donc on verra bien ce qu'il va donner. Donc c'était bien lui que je voulais vous, vous montrer. Alors on va faire un petit tour euh, vite fait. On va regarder. Euh, donc on a Raphaël Suarez qui joue sur un côté. Euh, donc c'est pour ça que l'autre ne joue pas. Euh, c'est un enjoué qui était citoyen modèle avant qui a eu le malus du contrat. Mais comme il partait de citoyen modèle, j'ai décidé de le garder. Euh, J'essaye de le faire euh, de lui faire remonter son, son professionnalisme, mais j'y arrive pas. Hein, donc euh, on verra bien, on verra bien. Ce que ça va donner par la suite. En tout cas, il est toujours en jouet imperturbable. Donc, c'est pas si mal. Après, je connais plus. Je connais pas son professionnalisme Donc, je pense qu'il est aux alentours de entre 10 et 13. Mais je ne sais pas exactement combien. Donc, 1m98 hein, pour 87 kg. Et euh, je crois que je lui fais bosser sa vivacité depuis quelques temps. Et qu'il a bien, bien step up là-dedans. Voilà. Voilà. Non, mais voilà. Enfin, je lui fais bosser euh, depuis, euh, je crois, janvier à peu près. Hein. Et regardez. boum Boum, 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 boum. Voilà. Il est passé à 15 ici. Donc là, il augmente beaucoup, beaucoup. Euh, donc c'est pas mal du tout. Hein, c'est pas mal du tout. Donc depuis qu'il est chez nous, euh, bah, malheureusement, euh, il n'a pas tant que ça euh, évolué. Euh, je, notamment, je pense, à cause de son problème euh, qu'il a eu au niveau du, contre, du contrat. Mais bon, bah tant pis, hein, qu'est-ce que vous laisse comme ça euh, Par contre, il a appris complètement le poste de MOG alors qu'avant il était BU et qu'il connaissait et qu'il était en accompli ici et ici quand il est arrivé. Maintenant, il le connaît à fond. Et euh, bah vous voyez, hein, le mec quand même 14 en centre. Euh, donc il est meilleur pied gauche que pied droit, mais il avait deux pieds. Euh, 16 en contrôle. Bon bah voilà, il manque un peu de dribble, mais, euh, mais voilà, c'est quand même un sacré joueur quoi. Et puis bah le 1m98, 87 kg, quoi. Voilà. Donc le problème, c'est qu'il n'a pas trop de jeu de tête, quoi. Donc ça c'est un peu chiant. Il n'a que 11. Donc lui j'ai essayé de le mettre sur corner. Pour un poteau, c'est une catastrophe. Hein. Il, ça sert à rien, il n'a pas assez de puissance, il n'a pas assez de détente pour 1m98. Mais par contre, pour les centres, deuxième poteau, il est très bien. Voilà. Donc on verra bien, euh, il, a tout, il a 20 ans, on me dit toujours 5 étoiles, pourrait beaucoup progresser, donc apparemment il aurait un énorme potentiel, joueur régulier minimum 15 hein, quand vous voyez ça. Euh, parce que sinon ce serait marqué assez régulier, mais là c'est marqué régulier, donc minimum 15. On verra bien sa note en grand match hein, quand il aura 22 ans. On verra. Euh, Carlos César, du coup, bah, je, on, lui on pense qu'il est au max. Hein. Euh, a peu de chance de progresser à l'avignon, ouais. Il est au max, mais il aime les gros matchs, il joue toujours régulier, voilà. C'est voilà, ma légende, quoi, c'est ma légende. Il est déjà, il a 6 matchs, 5 buts cette année en championnat. Bon, il fait un enfin, début de saison correct, mais euh, je, je m'attends à mieux de lui. Je m'attends à plus. Euh, Ortega, peut-être. Je peux vous montrer aussi. Donc là, il descend un peu en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Ça va remonter. Il descend, il monte, il descend, il monte. Je ne sais pas pourquoi, bon, c'est tout. Là, il est proche de son potentiel maximum déjà. Il va, va falloir que je trouve mieux que lui, je pense. Bah, tant pis, hein. c'est un citoyen modèle aussi qui, avec l'encadrement, a perdu un point quelque part et du coup est passé euh, enthousiaste. Bon, bah, c'est tout, tant pis. Mais euh, bon, bah, on l'a payé combien 2 millions, donc euh, on peut-être pas trop se plaindre, quoi. On verra bien euh, ce qu'il donne. Hein. Mais euh, en tout cas, c'est mon meilleur joueur sur ce début de saison, quoi. Clairement, il a, il a fait 9 matchs, 7 buts en jouant ailier euh, droit, ailier intérieur à droite et 4 passes des en championnat. Donc euh, voilà, quand même, le mec, euh, il n'a pas envie de rigoler, quoi, cette année. Hein. Cette année, il n'a pas envie de rigoler. Euh, du coup, Paul Stevens ne joue plus trop. Euh, pourquoi Tout simplement parce que je veux faire monter euh, Micha Ben David dans euh, la euh, hiérarchie du vestiaire. Donc je le fais jouer devant, pour l'instant. Et ça marche plutôt bien, il est bien monté. Et, euh, mais ensuite, euh, je vais repasser, très bientôt, je vais repasser Paul Stevens euh, en... Bah, regardez, il a encore un step-up, là. Pour... Si, step-up bien, quand même, hein. Ah par contre son potentiel on me dit plus que 3 étoiles et demie là. À voir hein, parce que ça, ça bouge, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Avoir, voir, on verra bien. Euh, mais euh, il aurait quand même encore une étoile et demie donc euh, c'est quand même prêt, euh, voilà, un bon joueur ils me disent pour la première div. Euh, il pourrait être. Par contre il n'aime pas trop les grands matchs. Bon voilà par contre il est joueur assez régulier quand même. Donc si j'arrive encore à le faire step up et eh putain mais il commence à devenir pas mal quand même. Je sais pas trop ce que je lui fais là. Agilité équilibre peut-être. Ouais, agilité équilibre, voilà, il step pas bien là-dedans. Et euh, bah, il faudrait que ça continue. Euh, c'est pas si mal, c'est vraiment pas mal. Son agilité, j'aimerais bien qu'elle soit à 14-15. Et puis ensuite, bah, je le passerai sur euh, de l'accélération, de la vitesse, je pense. Et ensuite, ben bah, finition. Euh, voilà, finition quoi. Tire de loin, il a 4. Hein. Puis finition, même 12. Donc euh, ce serait bien qu'il augmente. Euh, par contre, il ne fait pas un bon début de saison. Je crois quand il joue, il marque très très peu. Je crois cette année, ouais, il m'a mis euh, deux buts en Ligue Europa et, et un seul en championnat. Bon, bah, est il n'est pas très bon cette année, mais euh, c'est bon, c'est normal. Hein, il manque un peu de, de niveau par rapport aux autres. Euh, Maxime Bru qui augmente bien aussi. Hein. Maxime Bru, euh, voilà quoi. Hein. Maxime Bru, quoi. Ah, en ce moment, voilà quoi. Le mec, il step up d'aouf, quoi. Ah, il pourrait beaucoup progresser encore. Il a 19 ans. Euh... Voilà, il fait du placement défensif. Euh, moi je pense que j'ai envie de le mettre en meneur de jeu en retrait de défense et puis de lui faire un bout d'un moment un, un entraînement sur euh, bah sur les passes en fait quoi. Ou alors un milieu axial peut-être. J'en ferai peut-être un milieu axial à terme. Euh, je ne sais pas. Je vais peut-être essayer un milieu axial à un de ces quatre. Milieu axial de soutien, peut-être. Ouais, milieu axial de soutien, ça manque de tacle aussi, mais bon, il a une grosse présence physique. À voir si ça compense son problème de tacle. Et par Contre il est très mauvais en... en appel de balle, donc je sais pas. Je voilà, je sais pas. Un box-to-box, peut-être c'est peut-être un peu moins important. Les tacles, non, c'est important aussi. Donc à euh... voir, écoutez, à voir. C'est encore plus important. Ça, ouais, donc je sais pas. À voir, à voir ce que ça peut donner. En tout cas, là pour l'instant, il joue en 6 en MJR retraite défense. Pas mauvais, ça va. C'est lui qui a la meilleure note au milieu de terrain. Alors en revanche, McDou, euh, voilà quoi, lui, euh, hop. Soleil direct. Par contre, ça y est, hein, on me dit qu'il est pas loin déjà le, du bout du bout. Quoi. Il pourrait légèrement progresser, donc ça, c'est un peu chiant. J'espère qu'il se trompe. Hein. Voilà, je vous le dis honnêtement, j'espère qu'il se trompe. Et que ça va bien, il va continuer de step up. Euh, là, il fait euh, entraînement vivacité, là, en ce moment. A voir euh, ce que ça va donner euh, par la suite. Mais euh, j'espère vraiment, vraiment qu'il va en, continuer d'augmenter, puisque lui, il sort quand même de mon centre de formation et j'ai miser de gros espoirs sur lui quand même. Donc euh, j'espère qu'il va continuer à step up et puis bah, on verra euh, dans quel poste je peux le mieux l'utiliser à terme. Et ils me disent milieu axé à l'attaque son meilleur poste et c'est ce que je vais faire. Ou dans mon passer qu'un milieu axé à l'attaque peut-être en box-to-box, euh, au milieu de terrain. Je vais voir, euh, ça paraît ultra offensif, mais euh, je crois que euh, de toute façon euh, ma défense, j'y arrive pas. donc euh, voilà, Non mais c'est vraiment parce que c'est la tête les gars. Voilà. Euh, sinon... Sinon, 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 pour ce qui est du début de saison, on est en septième position pour l'instant. On a fait un très très gros début de saison, je crois. Euh, en gagnant 3-1 contre City, en gagnant 5-0 contre Blackburn. Après, bon, on a pris une branlée par Tottenham. Et puis ensuite, 3-0, 3-1, 6-2. Et puis là, on commence à avoir du mal. Ça y est, Everton, Leeds, Bournemouth, tout ça, c'est des clubs qu'on doit euh, battre normalement et on n'y arrive pas. Donc euh, on espère que ça va aller mieux à partir de Stoke. là. Euh, il faut absolument que ça aille mieux. En revanche, comme vous pouvez le voir, eh bien, euh, en Carabao, on est passé. On, est, on sera du coup au cinquième tour et ce sera contre. Euh, ah non, au, en, en, en quart de finale, pardon. J'ai toujours pas le tirage, donc je ne me rappelle plus. En Ligue Europa, on a fait trois victoires. trois victoires assez larges. Euh, enfin, la première 2-1 contre Clermont. Donc Clermont, les gars, ça vous fait peut-être bizarre de les voir ici, mais en fait, dans ma partie, ils ont été rachetés par des mecs Clansas. Donc euh, ils ont une grosse équipe quand même. Ils ont de gros gros joueurs. On était mené à zéro euh, à l'extérieur et puis on a fini par revenir euh, dans le match pour euh, au final euh, marquer sur un penalty à 83e minute. Et euh, ça, c'était plutôt cool. Euh, du coup, ensuite, contre Sporting Riron, bah, on les a défoncés, Alors, on les a explosés. Ils ont pris un. Ah non, attendez, qu'est-ce que je raconte c'est là. Voilà, on les a défoncés. Euh, Sandré Arberg nous a mis un triplé et en plus il a mis des buts sur Coup Je crois. C'est rare parce que lui, il marque jamais sur front c'est une catastrophe. Enfin bref, là il, il a marqué en tout cas. Et euh, notre remplaçant aussi, attaquant enthousiaste, là, qui nous a mis un petit doublé. Euh, puisque je joue avec l'équipe 2, hein, aussi en... Je crois, hein. Je crois que c'est l'équipe 2 qui joue. Ouais, c'est l'équipe 2 qui joue euh, la Ligue Europa encore. Et puis bon, bah là contre Saint-Gallen, euh, contre c'est quoi C'est Suisse C'est quoi Ouais, c'est Suisse. Euh, bon, bah j'ai gagné 4-1 euh, à domicile. Donc je pense qu'on est bien placé là, on est en tête. Euh, avec euh, déjà 9 points, déjà 5 points d'avance, une victoire et on est sûr d'être qualifié. Donc c'est très bien et on est quasiment sûr d'être premier si on, si on regagne un match. Donc euh, voilà, si on gagne contre eux là, en plus je crois que c'est contre eux le prochain match. Ouais, c'est contre eux. Si on va gagner chez eux, on est bien. Voilà, si on va gagner chez eux, on est très très bien. Donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est plutôt cool. Euh, ça se passe plutôt bien. Et j'espère que ça va continuer. En championnat, j'espère qu'on va step up et qu'on va gagner ce match déjà contre Stoke. Et, euh, parce que là, après, regardez, hein, Chelsea, Arsenal, Liverpool, de nouveau, là, ça va être très très dur. Donc il faut absolument que je gagne ce match de Stoke et puis que j'espère au moins une victoire sur les trois matchs là. <laughs> je sais pas trop laquelle. Mais euh, j'aimerais bien bah euh, à domicile quoi. À domicile, euh, voilà. Liverpool, je pense que c'est prenable à domicile, puisque c'est ceux que arrive, contre qui je réussis le mieux, je pense, du top 7. Euh, Chelsea, ça va être très compliqué, hein, on va pas se mentir. Hein. Je crois qu'ils ont encore Mokoko et tout. Hein. Voilà. Mokoko, Bellingham, bon, ils sont vieux, mais <laughs> ils sont encore performants. Mais, euh, mais voilà, sinon, c'est à peu près tout ce qui se passe euh, dans, notre, dans notre ligue. Euh, sinon, bah je crois qu'on a fait quand même pas mal de guichets fermés. Là. Ben, on a fait 100% de guichets fermés euh, puisque notre stade, est pour l'instant, euh, bah, ça y est, enfin, aujourd'hui, il est fini de construire. Hein, D'ailleurs, c'est pour ça que euh, je m'étais arrêté là, voilà. Euh, donc là, on passe à 32 194 places. Donc ça, ça fait plaisir. Et je vais attendre un petit peu et je vais voir euh, si je pourrais demander à mes dirigeants. Donc pour l'instant, je peux pas. En même temps, on est jour du truc là. Mais je pense que dans 2-3 mois, ça va peut-être apparaître là. Et en fonction euh, en du de nombre de guichets fermés que je fais, eh bien, je, je redemanderai encore une augmentation de mon stade si je peux. Ou alors un nouveau stade, peut-être. Parce qu'on est full thune. Hein. On a plein de thunes. Donc, euh, voilà, c'est pas un problème. Regardez euh, nos finances. Bon, aucun problème de finances. Hein. Quand même à 50 millions dans les caisses. Donc, aucun problème. <laughs> voilà. Donc, voilà. C'est à peu près tout. Donc, euh, du coup, on se retrouvera. Euh, si mes calculs cool sont bons... Putain, regardez le nombre de matchs qu'il y a. Mais, putain, mais... Allez, mais sans déconner. Là, on est fin octobre quand même, les gars. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. a quand même, 20 matchs. Novembre, décembre, janvier. En trois mois. C'est énorme, quoi. Mais la PL, c'est n'importe quoi. Hein. Arrivé le mois, de, le mois de décembre en PL, regardez ça. C'est n'importe quoi. Le 5, euh, le 11, le 14, le 17, le 20, le 26. Et puis là, derrière, on rejoue le 2. Ouais, c'est bon, quoi. Franchement. Bon, bref. On se retrouvera après Watford. <laughs> Mais bon, euh, voilà. c'est Je sais que j'ai le mois de janvier, je le réussis généralement plutôt bien parce que mes joueurs sont reposés. Parce que regardez le début de janvier, voilà. Ça va, début janvier. Euh, là, si on se fait éliminer en FA Cup, là, on est tranquille. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, voilà, on est tranquille. Bon, j'ai envie qu'on aille euh, le plus loin possible dans les dans les coupes, hein, Mais euh, mais voilà, si jamais on se fait éliminer, bah, on est tranquille, quoi. Voilà, euh, on, on passe pas ce tour-là, mettons. Bon, bah derrière, euh, voilà. Regardez, mois de janvier, il... au calme. Alors que plutôt que de nous mettre autant de matchs au mois de décembre, là, s'ils pouvaient en mettre un là, je sais pas, puis démarrer la coupe un peu un poil plus tôt, ce bah, serait mieux. Voilà. Mais bon, ils ne veulent pas, tant pis. Voilà, donc c'est tout, les gars. On se retrouve du coup euh, après Watford pour la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi euh, cette, cette vidéo récap. On se retrouve du coup sur Twitch, 17h ou alors YouTube, prochain épisode. Merci à vous, les gars, et ciao.